Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo et le Soudan multiplient des efforts dans le cadre du renforcement des relations bilatérales afin de consolider la paix. L'annonce de l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Djouba, au Soudan, a été faite sur place par ses émissaires. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage. La communauté congolaise sud-soudanaise s'est fortement mobilisée cet après-midi du dimanche 8 mai pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero. Il était 13h50, heure de Djouba, lorsque l'avion transportant les couples présidentiels a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international de Djouba, au Sud-Soudan. Accueilli au pied de l'avion par le deuxième vice-président sud-soudanais, James Wani Iga, et toute sa délégation, les couples présidentiels a traversé la haie d'honneur avant de rencontrer la communauté congolaise qui scandait des chansons pour l'ovationner. Après l'aéroport, les cortèges présidentiels a pris la direction du State House de Djouba, où attendait le général Salva Kiir Mayardi, président sud-soudanais, pour accueillir les couples présidentiels. Après le tête-à-tête de près d'une heure avec son homologue Salva Kiir, où plusieurs points ont été abordés, les deux chefs d'État ont donné un point de presse. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État sud-soudanais a remercié le président congolais pour sa visite historique d'un dirigeant congolais au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011. Concernant les relations entre nos deux pays, le président Félix Tshisekedi s'est joint à l'appel du président Salva Kiir à obtenir de la communauté internationale la levée de l'embargo qui frappe ses pays frères afin de combattre les forces négatives qui sèment la désolation dans nos frontières. C'est vraiment dommage que cet embargo soit basé sur des préjugés, car le président Salva Kiir, avec qui je me suis entretenu, est tout à fait, comme moi, conscient du fait que la paix et la sécurité sont des éléments nécessaires pour entamer le développement de nos pays et de notre région. Infrastructures, hydrocarbures et la sécurité alimentaire, ces points ont fait également partie de leurs échanges. Nous avons parlé des projets d'infrastructure avec la possibilité de construire plutôt bientôt une route qui va ici au Sud-Soudan jusque dans le nord-est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Ouélé, ce qui va ouvrir la voie sur Kisangani. Kisangani qui est baigné par le fleuve Congo, lequel fleuve, évidemment, va jusqu'à l'océan Atlantique. Nous avons également échangé sur les hydrocarbures, un domaine dans lequel, vous savez, il y a d'énormes difficultés et inquiétudes en ce moment, et il est plus que utile que les enfants de l'Afrique puissent s'unir et trouver ensemble des voies et moyens de pouvoir alléger les difficultés qui sont de la conjoncture internationale, d'essayer de les amoindrir en tout cas, d'amoindrir les effets pour nos pays. Nous avons également parlé de sécurité alimentaire et j'ai eu la grande joie et la surprise de découvrir que le Sud-Soudan est un des pays qui a le plus grand nombre de têtes de bétail dans le monde. Ils ont plus de 33 millions de têtes de bétail. Les garants de la nation congolaise a salué l'accueil chaleureux et fraternel du 9e voisin de la RDC qui vient de visiter depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019. Après le Sud-Soudan, le chef de l'État est attendu à Abidjan et cela dans le cadre de la COP15 contre la désertification qui se tiendra du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les pays participants devront décider des actions futures pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à ce grand rendez-vous.
Abidjan, capitale de la République de Côte d'Ivoire, va abriter du 9 au 20 mai la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse en sigle COP15. Une rencontre placée sous le thème suivant, Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité, tout un programme, un appel solennel à l'action pour garantir que la Terre, notre bouée de sauvetage sur cette planète, continue de profiter aux générations présentes et futures. Organisée tous les 2 ans, la COP15 prévoit un programme dense, à savoir des consultations régionales des pays parties touchées et des mises en œuvre régionales, une cérémonie d'ouverture de haut niveau comprenant un sommet des chefs d'État, des tables rondes et des séances de dialogue interactif entre ministres et autres hauts responsables le 9 et 10 mai 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à ce sommet des chefs d'État de la COP15 à Abidjan. Plusieurs autres présidents devraient aussi être présents, notamment le président Mouhamadou Bouhari du Nigeria, le président français Emmanuel Macron, le président du Sénégal et de l'Union africaine Macky Sall, sans oublier bien sûr Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le pays hôte du sommet. La 15e conférence des parties sera l'occasion pour l'ensemble des pays de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse dont la République démocratique du Congo fait partie, de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Des délégations de 197 pays sont attendues ainsi que plus de 1000 experts d'organisations régionales et internationales. Soulignons que la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse est différente de la conférence des parties sur le climat dont la 26e édition s'est tenue à Glasgow en novembre 2021. Depuis Abidjan, Fanny Kikufinzamba sur les images de Fiston Matondo et Chichimbita. Changeons de chapitre à présent, 20 ans de couverture téléphonique mobile de qualité avec Vodacom Congo. Le directeur général de cette entreprise a rappelé les durs au moment de cette innovation. En 20 ans, elle a su, grâce à sa technologie de pointe, assurer une couverture réseau sur toute l'étendue du territoire national, avec une couverture de services de téléphonie mobile de qualité, connecter la RDC au reste du monde. Sur fond d'un talk show autour du thème « Digitalisation et progrès », la société Vodacom Congo a étalé ses perspectives du parcours au service de communautés, des entreprises et des individus pendant les 2 dernières décennies, ainsi que ses projections pour les prochaines années. Le directeur général de Vodacom Congo, Khalil Al-Amerikani, a rappelé les durs moments de cette société pendant son implantation à travers la République, avec en lumière le 20 ans d'innovation technologique pour connecter les Congos profonds au monde. Le plus important pour Vodacom, c'est de construire ce partenariat avec nos clients, nos entreprises, nos communautés et le gouvernement pour s'assurer que dans les années à venir, dans la décennie et dans les décennies qui vont suivre, on va pouvoir continuer à travailler ensemble pour assurer au Congo un développement d'innovation et de technologie digne de son rang à l'intérieur de l'Afrique et à sa place. Nous sommes allés vite en besogne, nous allons revenir aux activités du Premier ministre. Indaba Mining, grande messe minière qui s'ouvre aujourd'hui, lundi 9 mai 2022 à Cape Town en Afrique du Sud. Et le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde-Kingé est déjà sur place. Mais quelle est l'ambiance qui règne avant l'ouverture de ces assises? On en parle avec Patty Tondang-Kizunda. Cape Town en Afrique du Sud s'est préparé à abriter Indaba Mining. Cette conférence minière annuelle des investisseurs miniers en Afrique vise l'évolution et le développement du secteur minier africain. Ces grandes messes d'affaires regroupent des entités commerciales clés, des industriels, des acheteurs potentiels, des investisseurs, des partenaires,
ainsi que les institutions chaque année. Plus de 6500 experts du secteur minier participent à cette conférence pour les réseautages intenses. Indaba Mining 2022 ouvre donc ses portes ce lundi 9 mai. La République démocratique du Congo, scandale géologique avec une potentialité minière composée des gisements de plus d'une cinquantaine de minerais, parmi lesquels les diamants, le cobalt, le lithium, le coltan, le cuivre, l'or, l'étain, le plomb, est présenté à Indaba 2022 par le biais du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé King, qui a tenu à être personnellement en Afrique du Sud pour vanter ses richesses du pays, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ainsi attirer les investisseurs pour le développement de ces secteurs qui va impacter celui du pays. La City CCC, où va se tenir ces grands rendez-vous, les couleurs s'annoncent. Les grands bailleurs de fonds du secteur minier et autres personnalités des marques venues de partout s'apprêtent à prendre part à Indaba 2022. Le rendez-vous est donc pris pour ce lundi 9 mai 2022. Et en Ituri, les deux entités de la chefferie Kakoua, en Ituri exactement, ont constitué la dernière étape de la mission d'itinérance sécuritaire et administrative du gouverneur militaire. Plus de détails dans ce reportage. Le gouverneur militaire de l'Ituri ne pouvait pas clôturer sa mission en territoire d'Arou sans fouler le sol d'Ingbokolo. Question de rassurer la population de la chefferie de Kakoua du renforcement des dispositifs sécuritaires pour la protéger ici comme partout ailleurs. Les filles et fils de cette partie de la province exultent à l'arrivée du lieutenant général Bouyanka Chama Johnny, le pacificateur. Dans son adresse, le chef de l'administration militaire a également rassuré cette population de la détermination à mettre fin aux tracasseries sous toutes ses formes. Une visite saluée par les habitants d'Ingbokolo et Kengezibaz qui parlent d'un changement positif sur les plans sécuritaires depuis la signature de l'accord avec la province du sud soudanaise de l'État central équatorien en matière de la coopération transfrontalière. Oui, quand même, nous avons vu un changement depuis qu'il y avait notre délégation de la province de avec une délégation du Sud-Soudan. On a ces belles changements parce que maintenant il y a une intérêt entre là, la population est très bonne, très bien portée. À Kengezibaz, à la frontière avec le Soudan du Sud, le numéro 1 de l'Ituri a appelé le service de sécurité et de défense, ainsi que d'autres services de l'État, à travailler avec patriotisme pour l'intérêt général. Ici, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sacrifient pour le pays. Et il était donc important pour moi de venir les voir et de voir aussi, de visiter aussi la frontière, notre frontière, qui a son importance. Et au besoin, donner des conseils parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Nous sommes à Bounia, chaque jour c'est Kengezibaz, Kengezibaz. Maintenant au moins j'ai vu les fonctionnaires, j'ai eu l'opportunité de parler avec eux, j'ai eu l'opportunité de les encourager. Et donc je pense que c'est une bonne chose pour nous. Une descente clôturée par la visite d'un pont construit non loin du chef-lieu de la chefferie de Kakoua pour désenclaver cette partie de la province de l'Ituri. Depuis Kengezibaz, à la frontière avec le Soudan du Sud, Suleiman Junior, RTNC. Le 7 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des orphelins de Sida. Et quelle est la situation de ces enfants dans notre pays? Une soirée de gala a été organisée pour ce faire afin d'y réfléchir. Reportage. Depuis 2002, la Journée mondiale des orphelins du Sida offre chaque 7 mai l'occasion au pays à travers le monde d'approfondir une réflexion sur la situation sociale de ces enfants. En RDC, plus précisément à Kinshasa, l'ASBL, la main sur le cœur, milite pour le bien-être des orphelins du Sida. Chaque 7 mai, comme cette année, cette structure humanitaire organise une soirée de gala pour de fins précises en faveur des orphelins du Sida. Nous avons organisé une soirée de gala pour récolter les fonds
afin de réhabiliter encore, comme nous avons l'habitude de le faire, les zones de maladies infectieuses. Donc cette année, on ira dans le Grand Kasaï et nous disons un grand merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Nous avons récolté, mais ce n'est jamais assez. Mais on leur dit déjà un grand merci. Merci à notre première dame qui nous a soutenus aussi et merci à toutes les personnes qui sont venues. Merci. Grady Lota encourage le PVVIH à vivre une vie normale. Je vais juste lancer un message fort aux personnes qui vivent avec les VIH, leur dire que le VIH, ce n'est pas la fin du monde. Le VIH n'a pas d'obstacle en fait. Celui qui a le VIH peut vivre normalement comme toute autre personne. Celui qui a le VIH, il peut faire de grands exploits comme toute autre personne. Et que celui qui a le VIH peut se marier, peut avoir des enfants, peut avoir la vie normale comme toute autre personne. Pour rappel, le sida ne fait pas que des morts, il fait aussi des orphelins. Ces derniers sont stigmatisés par leur communauté et s'ils ne sont pas pris en charge, ils risquent de se retrouver dans la délinquance, la prostitution, la déscolarisation et la drogue. Et puis, croire au pouvoir de la gentillesse, c'est le sous-thème que la Croix-Rouge de la RDC a célébré ce 8 mai 2022, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il était question de mettre en exergue la gentillesse et encourager les gens du monde à être des humains bienveillants. On en parle dans ce commentaire de Joël Makela. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a vécu en République démocratique du Congo. Les secouristes l'ont célébrée sous le thème « Croire au pouvoir de la gentillesse ». Soit près de 192 pays du monde ont observé ce 8 mai 2022 la naissance d'Henri Durand, la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Une occasion pour les uns et les autres de se familiariser avec le public, mieux de le sensibiliser sur les différents principes et valeurs humanitaires du mouvement de la Croix-Rouge. Cet instant a connu deux temps forts, dont le rappel du président national à l'assistance sur la pertinence des actes de la bonté. Il est question de mettre en exergue la gentillesse à l'honneur et encourager les gens du monde entier et celles de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, particulièrement être des humains bienveillants. Un autre temps fort, et non le moindre, a été l'explication de l'ambassadeur Croix-Rouge République démocratique du Congo sur le bien fondé du mouvement en fête. Ces moments étaient aussi marqués par la remise du diplôme d'excellence au président provincial de la ville de Kinshasa et la nomination du nouveau directeur général de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Cela avant le défilé des forces vives de la Croix-Rouge. Rappelons que ce mouvement était en mal de la célébration de sa journée ces deux dernières années à la suite de la pandémie du Covid-19 meurtrière et beaucoup d'autres crises analogues au monde. 23 voix sur 23 votants, c'est les résultats des urnes du gouverneur du Kasaï oriental par les députés et provinciaux. Il s'appelle Patrick Mathias Kabea, qui sera désormais gouverneur de cette province. De la province du Kasaï oriental, Mathias Kabea Machabidi a été élu ce vendredi 6 mai 2022 par les députés provinciaux. Ce vote a eu lieu à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale située en Boudine 2 dans la commune de la Kanchi. Il a eu 23 voix sur les 23 votants qui se sont exprimés aux urnes d'une façon démocratique et transparente. À l'annonce de ces résultats, une liesse populaire s'est explosée. C'est donc le résultat des attentes des Est-Kassaïens. Mathias Kabea Machabidi remplace à ce poste Jean-Marie Jamouteba, éjecté par les députés provinciaux le 1er avril 2021. Dans sa première déclaration à chaud, le nouveau gouverneur de la province du Kasaï oriental a remercié tout le monde, en commençant par le président de la République, avant de définir son mode de gestion. Je remercie l'Union sacrée avec qui nous avons eu cette victoire pleine. Cette victoire, c'est une victoire pour tous. Ce n'est pas une victoire d'un camp. C'est comme ça que je remercie aussi les autres challengers qui étaient avec moi dans la course. J'ai dit à tous, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est rassembler, servir et réussir. Et nous avons besoin de tout le monde pour relever ces défis. Parce que cette pièce populaire démontre un grand niveau d'attente. Et nous devons y répondre. On ne pourra pas y répondre seul, on pourra y répondre avec le concours de tout le monde. Fidèle à son discours de campagne,
Mathias Kabeya promet la cohabitation pacifique entre les institutions de la province. La cohabitation pacifique, c'est un effort de tous les jours. Et nous devons soutenir cela et faire cet effort-là tous les jours pour qu'il y ait un bon climat entre les gouvernants et les gouvernés. Et puis, une session d'échange et de partage a regroupé les diplômés universitaires en mal d'emploi à l'École supérieure de formation des leaders de l'Unité. Et c'était l'occasion de sceller le partenariat de facilitation d'emploi entre l'école et la Société de commerce et de services SCS. C'est un reportage de Félix Zalmetti-Dondo. Une première expérience dans le monde universitaire, l'École supérieure de formation des leaders de l'Unité en partenariat utile avec la SS, Société de commerce et de services. Cette dernière s'engage à faciliter le recrutement des jeunes diplômés universitaires dans les entreprises locales disposant d'offres d'emploi. Cette volonté entre les deux parties prône l'amour du prochain et l'oubli de soi, valeur requise contre l'état du tribalisme et de la corruption qui lamine la société congolaise. Jean-Robert Issifoi, manager de la SS, qualifie cet art de créer d'ennemis de développement du pays. Les leaders non tribalistes et non corruptibles, ce sont ceux-là que l'école Eco for Leaders entend les transférer chez SCS, qui est une agence spécialisée dans la gestion de ressources humaines et dont la réputation de la neutralité est connue, pour que SCS fasse son travail d'intermédiation, à savoir de mise en contact entre ces demandeurs d'emploi et les entreprises qui sont à la recherche des compétences. Le directeur de l'École supérieure de formation des leaders de l'Unité, le professeur Félicien Poukoulakou, affirme que le choix de ce partenariat avec la SS prend corps de l'exigence du sérieux et du souci du travail bien fait de son partenaire en face. Travailler pour le bien du pays, pour les biens communs, cela suppose que nous ayons des gens qui sont neutres, qui n'agissent pas, qui ne travaillent pas en regardant les appartenances tribales, régionales ou même confessionnelles. Et la SS, en tout cas, nombre de ses objectifs, en tout cas tous les objectifs, rencontrent la visée de notre école. Les témoignages qui ont meublé cette session d'échange et de partage ont montré aux jeunes diplômés universitaires dans l'auditoire l'approche méthodologique pour réussir dans un projet, une démarche qui exige le sacrifice, la bonté dans la diversité et la souffrance dans l'unité. Certes, un modèle de leadership de l'unité recherché pour la reconstruction d'une société congolaise plus inclusive. Et pendant ce temps, la société civile a formulé un plaidoyer pour la dotation des lois basées sur les violences sexuelles. Objectif, atteindre sa mise en application effective en attendant la réduction de cas de violence. Émissaire Emmanuela Commissaire, reportage. Ces experts aux divers profils réunis autour de la table réfléchissent sur la dotation d'une loi spécifique des violences basées sur le genre en réponse aux engagements des chefs d'État des CIRGL dans la déclaration de Kampala en 2011. Des assises convoquées à l'initiative du bureau d'études de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites aux femmes en collaboration avec l'Alliance stratégique des plaidoyers du Sud Kivu et le financement des corps d'aide. Notre plus grande attente reste d'avoir, au-delà d'une loi sur les violences sexuelles, d'atteindre sa mise en application effective et surtout d'obtenir la réduction des cas de violences basées sur les genres. La République démocratique du Congo traverse depuis plus de deux décennies une série de crises majeures qui ont causé et continuent de causer des désastres humains et des violences de tout genre, surtout dans l'est du pays. D'où une prise en compte sur ces faits en vaut la peine pour éradiquer à cette situation. Et les plaidoyers qui sont venus de l'Est du pays et les plaidoyers qui sont venus de partout de la RDC pour qu'on puisse mettre ces lois-là en place. Mais je voudrais aussi remercier de la confiance que vous avez eue pour notre cabinet. Ça veut dire que vous voulez pousser ce plaidoyer au plus haut niveau, au niveau présidentiel, et que vous ayez l'appui du président de la République. À l'issue de ces travaux présidés par Chantal Yelou Moulop,
conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites aux femmes, un document reprenant des imputés fournis à partir des autres initiatives de loi sera intégré dans l'avant-projet de cette loi spécifique. Au chapitre de la culture, Jean-Louis Chimbalanga vient de lancer sur le marché un ouvrage d'histoire électorale de la RDC intitulé « La vérité de la vérité des urnes en 2018 en RDC ». Cet ouvrage de 4 tomes retrace l'histoire de la RDC avec un point particulier sur les élections. Le baptême de cet ouvrage a eu lieu à Paris en présence de la communauté congolaise. Comment qualifier ce réveil? Est-ce de l'amour de la patrie? Est-ce le patriotisme? Ça, je suis toujours entre ces deux concepts. Mais une chose est réelle, c'est que le réveil était là. Les discussions, on peut même voir ce réveil lorsqu'il y a certains enfants qui n'ont jamais été au Congo. Mais lorsque l'équipe de football joue, on sent l'unité à travers le drapeau. Ils sont partout avec ces drapeaux fiers de pouvoir parler de leur pays. Mais lorsqu'il faut faire des débats politiques, on voit que beaucoup sont dans le débat quand on va dans des réseaux sociaux, beaucoup débattent. Mais souvent ces débats sont confus et des fois diffus, tout simplement parce que nos jeunes n'ont pas des repères, n'ont pas des références, n'ont pas des pistes. Et certains malins profitent justement de cette faiblesse pour apporter leurs grains sentimentaux, déformer l'histoire, le maquiller et parfois même le falsifier en y apportant, comme je dis tout à l'heure, des grains sentimentaux qui n'ont rien à voir avec l'histoire de notre pays. Conséquence, c'est que dans ces débats diffus, nos jeunes se disputent, nos jeunes se chamaillent. Et parfois, des inimitiés reviennent avec des divisions qui n'ont pas de raison d'être. Tout simplement parce qu'il manque des références, il manque des repères, il manque des pistes, il manque de voies sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour pouvoir faire leur débat. Et puis, les Mandi de la ville de Kinshasa ont présenté au grand public les différentes facettes de leur culture riche et varier, une occasion de remémorer l'histoire et penser au développement de leur entité. C'est un reportage de Wanzi Kingé et Jokoli Kosama. Le peuple Mbandi, occupant le nord de la République démocratique du Congo, venant du Soudan, est une tribu guerrière mais épris de paix. C'est le sens qu'il faut donner à cette rencontre. Les Mbandi présents à cette cérémonie ont partagé le bon moment de leur histoire commune. C'était également l'occasion d'opérer la passation de pouvoir entre le président sortant Maurice Nguemalé avec la nouvelle présidente Ali Dele Kibango. Dans son discours des circonstances, la désormais présidente nationale de l'association culturelle Mbia a placé son mandat sous le signe du dialogue. Qu'ils sentent le besoin de vouloir vivre ensemble pour constituer une force. Qu'ils voient les Mbandi. La nécessité impérieuse de promouvoir le développement dans les 9 entités qui composent la CEMI. Qu'ils réfléchissent pour briser le mur d'indifférence et de plafond de verre en ouvrant leur bouche pour parler. Oui, les Mbandi doivent parler. Pour sa part, le président du comité d'organisation, Maître Poma Alamubanga, a demandé au nouveau comité de fédérer tous les Mbandi à travers les entités, notamment Yakoma, Abouzi, Wapinda, Kotakoli, Mobayi Mbongo, Bujala, Munga, Businga et Gbadolite. En politique, les forces politiques unies, FPU, un nouveau parti politique sur la scène nationale. Ce parti politique a comme porte-étendard Charles Okoto. Il a présidé la cérémonie d'installation de ce comité de base. On en parle avec Médard Mbouyal Mangal. Le débat parlementaire sur la loi électorale est un précieux indicateur de l'environnement politique qui s'annonce en République démocratique du Congo. 2023 avance à grands pas et les partis politiques se mettent en ordre de bataille.
C'est le cas des forces politiques unies. FPU, un parti politique piloté par Charles Okotolola Kombe, un des acteurs politiques de premier plan. Le moment est donc propice pour régler des petits détails avant le déploiement des animateurs sur terrain. C'est une journée exceptionnelle. C'est une journée où nous avons installé les cadres du parti nommé du national à l'interfédération jusqu'aux fédérations. Pour nous, c'est une journée historique pour les FPI. L'animation, la mobilisation et l'adhésion des nouveaux membres, voilà des nouveaux chantiers qui s'ouvrent pour les FPI. Et puis en religion, pour terminer, les paroissiens de l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo dans la commune de la Gombe viennent de bénéficier d'un bâtiment qui va abriter le centre paroissial et d'autres salles pour l'école de dimanche. On en parle avec Raymond Marie Lelo. Dans son adresse, le président de l'Église du Christ au Congo et secrétaire général de la communauté baptiste du fleuve Congo a fait savoir à l'assistance que ce nouveau bâtiment s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la politique d'auto-prise en charge. Initiative prise pendant l'Assemblée générale tenue en 1986 à Yakoussou, en province de la Tchopo. Le professeur André Gédéon Bokundo Bolikabe a dit que cette politique met à profit la valorisation du patrimoine foncier de leur communauté, afin de se doter des ressources financières pour mener à bien la mission évangélique et des œuvres sociales en faveur de la population à travers leur communauté. Voici votre édifice, mais prenez soin de cet édifice pour des générations futures. C'est le bâtiment de l'église, c'est le bâtiment de tout le monde. Nous crions notre héritage, l'héritage que nous avons laissé nos parents. Mais il faut garder cet héritage-là. L'héritage, ce n'est pas seulement ce que les blancs nous ont laissé, mais ce que les noirs, nous-mêmes, nous avons conçu aussi. Et donc, nous devons tenir, prendre soin de cet héritage. Le culte inaugural de ce dimanche a été ponctué par la prédication du professeur Raymond Angendou Mongenzo, coordonnateur du collège des pasteurs de l'église locale de la CBFC Gombe. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité, un journal coordonné par Jacques Kabwaba Mukumina Sedouga, réalisé par Patrick Papuila Papi-Vouélé, avec l'assistance technique de Alain Galia, François Katiamba, Grace Kingambo et Émile Zola. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français, en swahili, en chiluba, en lingala et en kikongo. 13h30. Titi Samba, au revoir et à la prochaine.